Hello, c'est encore pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve sur Zombie Defense. Donc, un petit jeu indé qui va sûrement pas plaire à tout le monde. Mais vous allez bien voir si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. C'est un jeu stratégique où on doit tuer de la zombie, de la masse de zombies. Avec plusieurs armes, plusieurs persos. Comme là, vous voyez, tronçonneuse, bazooka et puis fusil à pompe. Et il y en a plein d'autres et plein de trucs à voir. Donc on va commencer par une petite partie. Je sais pas s'il y en aura plusieurs. Donc déjà vous avez vu à peu près tous les niveaux qu'il y a. Voilà. Et là il y en a 48, 48, 30, 48, 30. Voilà. Il y a 40 à peu près niveaux à chaque truc comme ça. Et d'ailleurs en normal c'est hyper dur. Donc moi je suis rendu qu'au 6ème. Donc ça c'est les premiers, voilà. Je suis rendu là. Il reste encore à peu près tout ça. Je ne suis pas rendu. Donc là on va faire un premier niveau que j'ai trouvé simple. On va faire celui-là, tiens. Allez, c'est parti. Donc on est parti pour ce petit niveau. Donc j'espère que vous ça va. Moi ça va nickel. Petite baisse de vidéo. C'est pas qu'il y a une petite baisse de vidéo, c'est juste que je suis un peu moins motivé qu'avant. Car bon, YouTube, ouais, c'est bien, mais comme j'ai pas mon ordi, voilà quoi, je suis un peu. Je vais mettre celui-là. Allez, oui. Donc, comme j'ai pas mon ordi, enfin mon nouvel ordi, je suis un peu le seum quoi, j'en ai marre. C'est toujours les mêmes jeux que je joue sur cet ordi parce que rien ne marche. Donc, voilà, j'attends mon nouveau PC. Là, je dois être à même pas 50 euros pour l'instant. Donc il me faut 250 euros évidemment. Je prends l'ancien PC à Blue Caribou, donc voilà. Si vous voulez voir sa chaîne, elle est dans mes chaînes. Allez, donc vous voyez, c'est un jeu en 2-3D à peu près. On peut zoomer la caméra. C'est un jeu gratuit, free to play sur Steam. Voilà, Zombie Defense. Donc on contrôle ces personnages là, donc on peut les mettre un peu partout. Ils peuvent bouger, regarde, si je fais ça, il va bouger normalement. D'accord. On sélectionne. Voilà, il bouge. Voilà, donc ça c'est un peu. La vague 1 est finie. Hop, donc après, à chaque vague, et quand on tue des zombies, on obtient des sous. Et avec les sous, on peut mettre différents personnages. Donc, comme lui, ça c'est un sniper, ça c'est une mitraillette, ça c'est un fusil à pompe, et ça c'est les personnages de départ. Pour l'instant, on s'en fout, on peut améliorer ses personnages. Donc là hop, je vais l'améliorer. Il a plus de vie, plus de points et puis plus de dégâts. Donc voilà. Après ils ont ça, tous à peu près des bombes ou des comme ça envoyées quand il y a des hordes de zombies. Pour tous les tuer entre guillemets. On peut accélérer le temps comme ça. Voilà. Mais je vais pas le faire parce que j'ai peur que ça lag un peu plus. Tiens, va chercher la caisse toi. Non, en fait, non, il va pas aller chercher la caisse. Donc là, c'est le départ, c'est normal, il n'y a pas beaucoup de persos. Au départ, je crois, bon, après, vous allez voir à la fin du jeu, on va pouvoir acheter des améliorations, dont des personnages en plus, dont des plus de vie ou plus de sous au départ, ou tout comme ça. Alors, je vous montrerai ça après. Putain, j'ai pas encore assez de sous. J'accélère le temps parce que. Donc il y a 10 vagues, on a la troisième. C'est plutôt pas mal. Donc après on peut se déplacer sur la carte. Ça, les merde, les bulldozers comme ça, il faut les acheter. Et quand on a 2000 euros, en fait, ils vont faire des allers-retours comme ça. Ils vont écraser tous les zombies qui passent dessus. Et genre là par contre. Allez. Voilà, par exemple là il y en avait besoin. Et donc voilà, ça va écraser tous les zombies, les trucs comme ça. Pour après défendre, bah, avoir moins de zombies quoi, tout simplement. Tiens, va chercher la caisse. Donc les caisses donnent des grenades, oh, rien de plus compliqué. Voilà. Vous voyez là, j'ai un mitrailleur, un soldat et un sniper. Voilà, j'ai balancé une petite grenade parce que ça n'est pas. Se passer. Donc j'espère que le son est pas trop fort.
Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas trop de musique, donc c'est pas un peu désagréable des fois. Donc j'ai 1700 euros. Ce que je vais faire, je pense, c'est mettre un petit fusil à pompe au cas où qu'ils viennent vers là. Tout simplement. Et on peut acheter des caisses de munitions qui vont arriver sur le personnage. Par exemple, là, il va mourir, je pense. Allez, sélectionne! Oh là là, oh là là. Surtout que là, en récan, ça bug. Donc, c'est très dur de sélectionner un truc. Donc, des fois, tu vas rien faire du tout, puis d'un seul coup, t'auras plein de trucs à faire, t'es là. Oh! Et c'est souvent là que tu meurs. Ah, 25 terminé. La vague 5, ouais, excusez-moi. Bon, qu'est-ce qu'on va améliorer? On va améliorer ça. Ah oui, on peut améliorer aussi l'endroit où il se place pour 500. Donc ça les grade directement aussi, donc c'est sympathique. Là, je vais jeter des petites molotovs. Comme ça, s'il passe, bah, il brûle. Allez, le... Ouais, vague 6 terminée, vague 7, ok. Donc là, ça va sûrement se compliquer, donc on va améliorer lui. Ah, j'ai pas 400. On va peut-être mettre une petite caisse à lui. Voilà, comme ça on le garde et dès qu'il y en a un peu trop, bim, on va lancer une grenade. Genre comme là. Alors, plus t'améliores, plus t'avances dans les vagues, plus les zombies sont résistants. Normal. Normal, j'ai envie de te dire. On peut pas lui donner de la vie à lui. Ok, vague 7. Donc je sais pas combien de temps on est d'enregistrement. Ce sera sûrement une vidéo de moins de 10 minutes. Je pense, je sais pas du tout. Donc ça. Là, 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 j'ai combien de sous? 1800, donc je pense que... Ah, je peux pas. Pourquoi je peux pas? Allez, ouais, c'est bon. Okay, là on est pas mal. Il reste 14, 12, 11. Donc en haut là c'est marqué. 9 zombies à tuer. Là ça va se faire tranquillement là avec 8. Voilà, il reste 4 zombies. Ce qui serait bien c'est d'avoir 2000 euros pour que je puisse mettre le bulldozer. Comme ça les zombies ils peuvent presque venir que par les. Que par la voiture de... Entre la voiture de police et le fourgon. Sauf s'il y en a qui viennent là. Oh merde, j'avais oublié ça. C'est pas très grave. Molotov. Et là, on va. Voilà. Bon, je vais activer ça pour la vidéo. Le bulldozer, voilà, qui va faire des allers-retours. Et en tuant tous les zombies. Le seul problème qu'il y a, donc c'est très pratique. Parce que les zombies, ils viennent pas te chercher. Le seul inconvénient c'est que tu gagnes pas les sous que les zombies que le bulldozer tue en gros. Donc ça c'est un peu dommage mais... C'est quand même bien pratique. Donc voilà, ça va être... Ah non, il reste 117 zombies à tuer. Excusez-moi. Voilà, là on est plutôt pas mal. Donc là, là c'est le début du jeu, hein. Faut se dire que là c'est vraiment où là le jeu commence, que les trois premiers niveaux c'est du tutoriel. Et voilà, là c'est vraiment la première mission, la deuxième mission, excusez-moi. Mais c'est vraiment facile. Hein. Peut-être que je vous ferai un autre niveau en une autre vidéo, si je vois que ça vous plaît. Mais vous allez voir que je vais sûrement galérer, je vais sûrement perdre. Parce que des fois il y a des missions, c'est des vagues de 30-35 vagues. Je peux vous dire que ça pique. Une fois j'ai joué 35 minutes à un niveau et j'ai perdu. J'étais même pas à la moitié. Voilà. Donc là, la mission finie, on a réussi. GG à nous.
Voilà, on a gagné des sous, machin, nickel. Et donc là, vous allez voir, voilà, le tableau d'amélioration. Qui est plutôt imposant, effectivement, oui. Il y a 118 améliorations, j'en ai fait que 9. Donc voilà, au départ, t'as que 4 équipiers, après tu vas en avoir 5 et après 6. Moi, je suis à 6. Ça, c'est très important. Les zones de protection, bon, c'est pour améliorer les zones de protection. Les niveaux, ça, je l'ai fait un peu. Et le laser, j'hésite à le faire. Mais le problème, c'est que là, j'ai pas assez de sous, donc je vais pas le faire. Donc voilà, après, il y a toutes les améliorations, là, 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 tout ça. C'est juste incroyable. Là, je peux améliorer ça, mais pour l'instant, j'ai pas trop envie. Là, j'ai moins envie de faire la tronçonneuse, parce que la tronçonneuse, je pense qu'elle est géniale. Voilà. Le marin, alors ça, je sais pas ce que ça tire à embusquer, lanceur de grenades. Ah, ça peut être sympa, ça. Un FAMAS. Ça peut être cool. Voilà. Et puis après, on peut améliorer les dégâts, la vie, les sous gagnés. Ça fait ça. Enfin, voilà. Franchement, si ce jeu, ce style de jeu stratégique vous plaît, vous invite fortement à le télécharger sur Steam. C'est Zombie Defense. Il est gratuit. Il prend pas beaucoup de place. S'il marche sur mon ordi, il marche sur votre ordi. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je te dis qu'à la M, partage avec toi. Ça fait plaisir. C'était Rip. Bye. Oh yeah.